You like your Macintosh. You like your Macintosh. Your Macintosh. Apple. And the Macintosh, of all the machines I've ever seen, is the only one that meets that standard. iPod. 1,000 songs in your pocket.
Ta-da-dam. Alors, le voilà, le Belkin. Je suis désolé, j'ai dû changer de micro parce que j'ai des problèmes avec ma caméra Panasonic qui va devoir retourner en réparation. Donc, vous m'entendrez un petit peu plus à droite. Voilà le Belkin Skype Phone. Voilà à quoi il ressemble. Voilà son épaisseur. Donc, c'est raisonnable pour un téléphone qui, de toute façon, restera très souvent à la maison. Vous n'allez pas vous trimballer avec ça comme avec un téléphone portable. Donc genre 1 cm, ouais, plutôt 1 cm et demi, 2 cm d'épaisseur, 1 cm et demi. La connexion USB normale, donc mini USB ici, qui est donc ici. Alors attention, je vais ouvrir le... Bah, je pourrais vous faire le focus, mais vous avez compris, hein, ça se trouve ici. Ensuite, c'est à peu près tout au niveau de l'esthétique. On va rentrer tout de suite dans le menu. Et pour rentrer dans le menu, justement, c'est à ce moment-ci qu'on va zoomer un tout petit peu, puisque j'ai déjà fait le focus. Donc attention, on rentre, voilà. En tout cas, j'ai fait le focus comme ça, voilà. L'avantage d'avoir une caméra avec un focus manuel. Donc on va se balader un petit peu dans les menus. Je vous ai pas montré le clavier, mais vous avez vu un peu le clavier. C'est un clavier exactement comme un téléphone portable. Donc il y a des touches donc des 12 touches des chiffres, plus une touche décrocher raccroché, plus deux touches pour le menu, qui sont donc ces touches qui accèdent le menu quand j'appuie ici par exemple. Donc on va revenir au début sur l'écran de le home screen. Donc en fait vous êtes exactement comme dans Skype à peu près, à peu de choses près. Donc là vous avez l'heure, ensuite vous avez le crédit qui vous reste. Donc moi il me reste 2,85€ sur mon compte Skype Pro que je peux utiliser pour appeler des numéros de téléphone. En haut vous avez les petits indicateurs comme quoi j'ai un message sur ma messagerie, j'ai le petit plus, ça doit vouloir dire qu'un compte veut m'ajouter, et comme quoi j'ai raté un appel. C'est pas très clair pour moi par contre comment j'accède à ces petits machins, mais en fait je sais que je reçois des messages de temps en temps, genre messages SMS. Donc déjà un point noir entre guillemets, pour être franc avec vous, c'est que ce téléphone ne fait que voice, il ne fait pas texte, ce qui est un peu bon. Vous voulez pas faire toute une conversation, je vous promets, en SMS, c'est pas pratique, mais par contre ce serait bien de recevoir des messages texte. Par exemple vous appelez quelqu'un, il vous répond en texte, non je suis occupé, bah vous le voyez pas si vous êtes que sur le Skype phone. Ensuite on va aller faire un tour du côté du menu. Alors le menu contact que vous voyez à droite n'est qu'un shortcut vers le menu en lui-même. Le menu complet a le menu contact, donc ici. Donc on va rentrer ici, vous allez voir mes contacts en gros. Voilà, je vous fais rentrer dedans, il n'y a rien d'exceptionnel là. Je reviens avec la touche back. L'historique, alors je rentre dans mon historique, vous voyez les messages qui entrant, sortant, ratés, les voicemails. Donc je reviens. Ensuite vous avez le status. Alors l'état, ça c'est un peu un problème parce que ce que je trouve un peu dommage, c'est que peu importe l'état dans lequel vous êtes, l'icône de statut sera toujours l'icône online. Donc ça veut dire que je vais vous montrer ça directement. Donc là vous voyez que je suis online. Je vais passer offline. Alors il y a un mode direct qui est de monter vers le haut si je me trompe pas. Voilà. Donc vous montez vers le haut, le petit paddle ici, ici, voilà, ce truc au milieu là, qui permet d'aller à droite, à gauche, en haut, en bas. Et ensuite vous allez descendre. Donc là on pense que je suis offline, alors qu'en fait je suis online, donc c'est pas pratique, il devrait se mettre directement sur online. Si je me mets vraiment offline par exemple, donc je vais cliquer, prendre le risque de me mettre offline, parce que des fois je trouve que le wifi a un peu de problème. Donc là je suis offline, si je vais dans le menu, je vois que je suis offline certes, mais ce menu là, pour moi, devrait avoir l'icône ici, offline. Et c'est pas le cas, donc soit. Je trouve que ça c'est un peu dommage. Il y a mon profil ici. Je sais pas trop ce que ça fait dans ce menu là personnellement. Rassurez-vous, les points positifs arrivent après. Je suis assez critique au début, mais à la fin je vous dirai ce que j'aime. Pour ajouter un contact, j'y vais par là. Donc c'est ça qui est bien, c'est que rajouter un contact, vous inscrire dans Skype si vous n'êtes pas encore inscrit, c'est toutes plein de choses que vous pourrez faire sans avoir besoin d'avoir un ordinateur. Donc en théorie, si vous n'avez pas d'ordinateur, je doute que vous ayez du wifi à la maison si vous n'avez pas d'ordinateur, mais en théorie si vous n'avez pas d'ordinateur vous pourriez très bien avoir un Skype phone. Donc on pourrait même imaginer que vous avez une connexion à internet avec juste un routeur et par exemple une Freebox et pas d'ordinateur, juste qu'un Skype phone. Recherche vous permet de rechercher un contact, je viens de taper sur le pied de la caméra, en rentrant son nom directement.
Voilà. Ensuite, il y a les services qui sont assez intéressants, où vous avez le crédit Skype, donc comme c'était rappelé, donc moi il me reste 285, 2,85 € à utiliser avant le 29 janvier 2008. Ensuite, vous avez le numéro Skype-in. Je vais pas vous montrer mon numéro Skype-in, mais si je clique là, ça montrera mon numéro qui est 0049 281, quelque chose comme ça. Le voicemail, donc où vous avez accès à tous vos voicemails. Je pense que voilà, il reste les settings, donc qui sont les réglages de réseau, de tonalité. Donc vous pouvez changer, vous pouvez choisir. On va regarder ici ce qu'il y a comme ton. Donc il y a, lorsqu'on a un appel, on a soit ceci, on a soit ceci par exemple. Ce qui est un peu dommage, c'est qu'il faut les sélectionner pour les écouter. On va les écouter là. Ah, même pas. Je pensais me souvenir qu'il fallait. Qu'on pouvait sélectionner, select. Bah écoutez, je sais plus, honnêtement. Ah non, ah ok, voilà, c'est de ma faute, c'est parce que ça c'est pas les tones, c'est les alertes. Voilà les tones ici. Donc voilà les tones, les différents tones. Voilà. Truc typique Skype, hein. Bon, silence. Et celui que moi j'ai choisi est pas trop mal, c'est le premier. Donc voilà, il n'y en a pas des masses, malheureusement, il n'y en a que trois, mais bon, on s'en fout un peu dans un premier temps. Le volume, ça c'est pas mal, ça vibre aussi, donc ça c'est aussi sympa. Il y a un vibreur quand même. On va retourner tout de suite dans le menu Settings. J'allais me plaindre que c'est assez lent, mais la démo me prouve le contraire, puisque vous voyez que c'est quand même assez fluide. Vous avez les réglages du téléphone en lui-même. Donc le brightness qu'on va pouvoir éventuellement diminuer si on veut que ce soit affiché plus comme ça. Nous on va l'augmenter au maximum. Attention. Le timeout aussi, ça c'est pas mal aussi pour après combien de temps il va s'effacer. Bon, moi j'ai mis 1 minute pour économiser la batterie évidemment. Alors la batterie c'est un petit peu le problème je trouve aussi, entre autres c'est un des problèmes, mais ça c'est la faute au Wi-Fi. Le Wi-Fi ça consomme beaucoup de batterie et donc vous pouvez très bien, vous allez, si vous utilisez votre Skype Phone, vous allez devoir le recharger tous les jours je trouve. Ce qui est assez dommage c'est qu'il n'y a pas de Cradle, donc il n'y a pas de docking station un peu comme celle de l'iPod. Ce serait pas mal si on avait un truc comme ça dans lequel on mettait le Skype Phone. Malheureusement il n'y a pas. Mais dans l'ensemble... Dans l'ensemble, je suis assez content parce que c'est très pratique en fait à utiliser. Vous pouvez appeler. Alors, je vais vous montrer comment on appelle quelqu'un. Je vais par exemple faire ça et je vais faire tout de suite. Donc, je vais taper une lettre par exemple. En l'occurrence, voilà le V. Et Vince n'est plus online malheureusement. C'est dommage. Je peux pas vous montrer tout de suite, mais par exemple, si j'appelle John. Je sais pas très bien c'est quel John d'ailleurs, hein, entre parenthèses. Voilà, je vais appeler. Et là, vous entendez le... Voilà, et donc c'est Connecting John. Et ça sonne au bout d'un moment, et puis on peut se parler. Je vais raccrocher, sinon John va se demander quoi. Mais ça se passe assez bien. J'ai utilisé ça pour tout à l'heure discuter avec Vince pendant pas mal de temps. Et c'est très très pratique. Vous oubliez évidemment que vous êtes sur Skype. D'un côté, je vous le recommande parce que c'est super pratique. D'un autre côté, j'espère que le prix va diminuer au fur et à mesure où ce sera acheté. Je trouve que c'est encore un petit peu cher. Et surtout, j'espère que Skype va travailler, parce que là, c'est pas la faute à Belkin, va travailler sur le soft, sur le logiciel, parce que le logiciel en lui-même interne est un peu buggy. Donc, j'espère qu'ils vont travailler. Il y a deux trois trucs qui sont pas nickel, notamment ils perdent de temps en temps vos clés web. Donc, vous devez réentrer vos clés web. Je vous ai pas montré aussi ça c'est très intéressant. Je vais vous montrer rapidement. C'est le réseau. Comment on se connecte à un réseau. Donc, si on est déconnecté, il vous demande de vous connecter à un réseau. Au fait, s'il y a un réseau ouvert, il va se connecter automatiquement à un réseau ouvert, évidemment. Donc là, je vais dans Réseau. Je vais afficher les réseaux qui sont dans le range. Et voilà, il va chercher avec les réseaux. Ça, c'est mon réseau. Je suis le seul à avoir dans le range. Et si je veux me connecter, il va me demander. Alors, c'est pas très logique ça, entre parenthèses, parce que je suis déjà connecté. Donc, il va me demander de rentrer la clé que vous ne voyez pas. Donc, merci le Skype Phone d'avoir montré la clé. Donc, je vais faire back. Voilà les détails du réseau. Donc là, bon, il dit voilà, connecté, accès web, mon IP, la vitesse, donc ça c'est pas mal, le signal, 74%.
Donc c'est pas mal. Rajouter un réseau manuellement, ça c'est aussi faisable. Donc vous rajoutez tout simplement au cas où vous montrez pas votre au cas où vous montrez pas votre SSID. Et puis voilà, qu'est-ce qu'il y a au niveau connection type, vous pouvez changer, vous pouvez même utiliser en ad hoc, donc ça c'est pas mal, honnêtement. Donc il y a plein de choses ainsi. Je vous recommande, en tout cas, si vous avez l'utilité d'avoir un Skype Phone, c'est-à-dire d'avoir la facilité, et notamment si vous avez quelqu'un dans votre famille qui est un petit peu allergique envers les ordinateurs et que vous voulez faire des économies grâce à Skype, je vous recommande de jeter un œil quand même à ce téléphone, sur lequel on va terminer quand même, hop, en dézoomant. Désolé pour le dézoom un peu dégueulasse. Qui est le Skype Phone de Belkin, et merci à Belkin de nous avoir prêté ce Skype Phone pour Comcast pour vous faire une petite démo. Voilà, Skype Certified.